Welcome tout le monde, c'est Exictor pour une nouvelle vidéo donc pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush. Donc voilà pour notre petit let's play. Donc on va partir sur la campagne. Hop. Oui donc on en était à, je ne sais plus quelle mission. On va prendre tout de suite. Donc voilà la mission là. Donc on va upgrade des trucs à upgrade. Alors qu'est-ce qu'on peut upgrade? Je sais pas trop. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires ce que vous voulez que j'upgrade, hein, il n'y a pas de problème. Bon, j'hésite entre plusieurs choses, mais bon, je réfléchissons vite fait. Oh, bon, allez, on va pas ça. Merde. Done. Hop, les. C'est parti. The Dark Tower. Je pense jamais lire la petite description au début d'une mission, mais bon, vu qu'elle est en anglais, ce qui est plutôt dérangeant. Ouh, je crois que c'est la dernière mission de la campagne, tiens, justement. It's good, you make. Putain, j'ai pas le temps de lire. Ouais, ok, il veut nous défoncer quoi. Il va nous prendre pour sa collection de têtes. Qu'on voit là, il a une collection de têtes. Donc là, il a quoi? Démon. Bandit. D'accord, donc mec, on va te niquer Tara, déjà pour commencer. Et ensuite, dans un dernier temps, on verra ce qu'on fait. Bon, sur cette mission, on va peut-être la réussir en plusieurs épisodes, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Ce qui est plutôt un problème. Bon, je disais, il nous donne beaucoup beaucoup de points dès le début, donc tu te dis, ouais, bon, ça sent le grabuge, donc on va mettre tour de sorcier, tour d'archer, ça, 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 et ça. Je sais pas comment ça va. J'espère que ça va bien se passer, je sais pas si ça va être bien avec ça, mais bon. On a encore notre bombe atomique, on peut toujours l'utiliser, donc bon, on verra bien. Espérons que ça se passe bien. On a des démons et des trucs machins, j'aurais dû mettre plus de tours de sorcier. Espérons que celle-là, elle toute seule, fasse l'affaire contre deux petits trucs comme ça dès le début. Ah, vas-y, balance-leur des pétards dans la gueule. Bon, il y a l'autre qui va faire enrager dans son coin. J'ai bien fait de mettre une petite tour d'archer sur le côté parce que t'as des petits squelettes qui vont faire chier. Bon, j'ai une petite notification YouTube. Excusez-moi pour les petites vibrations qui ne sont pas ma faute. Mais bon, voilà. Hop les. C'est de la faute des gens qui mettent des commentaires, voilà. Non, n'hésitez pas à mettre des commentaires surtout. Faites toujours plaise. C'est sérieux, ça a même pas tué. Ah, si j'ai cru, ça avait pas tué la. J'ai fait exprès de viser en plus la sorcière. Ça l'aurait pas tué, j'aurais été dégoûté. J'aurais été dégoûté. D'ailleurs, je vais peut-être vendre ça. Je vais vendre ça. Je vais faire plus un truc comme ça, tu vois. Hop, hop. Je vais mieux comme ça en fait. Hein, ça me semble mieux. Ça me semble mieux. Des gargoyles, on va les envoyer. Le problème avec ces petits squelettes, c'est qu'ils sont chiants. Ils font quasiment aucun point. Peut-être même aucun d'ailleurs. Donc c'est pas. Ça fait chier, ça fait chier. Parce que bon, ils servent un peu à rien, tu vois. Ça a l'air d'être le roi des ténèbres, le mec. Bref, on va le défoncer. Y'a pas de problème. Ils vont tout nous envoyer, je pense, cette mission. Il va tout, il va y avoir des yétis, tout ce que tu veux. Lol. Bon, on verra bien. Hein. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre ça là. Oh, excusez-moi si je renifle, etc. Hein, je m'excuse encore une fois, mais bon. Vous savez très bien que je suis tout le temps une heure dehors le soir avant de rentrer chez moi, comme je l'ai déjà dit pour ceux qui le savent, pour ceux qui me connaissent. Donc, bah, le problème, c'est que après, tu chopes le rhume, surtout quand il pleut et tout dehors. Enfin, bref, un temps de merde, quoi. Mais. Enfin bref, ça c'est ma vie. C'est pour dire que je m'excuse si vous entendez que je... enfin, si ça se voit que je suis un peu malade, ça s'entend plutôt. Voilà, je suis désolé, j'essaie de me retenir, de renifler tout ça, mais c'est pas hyper facile. On a quoi encore comme bonus? Deux trucs de vie en plus qui rajoutent 5 vies chacun. Et une bombe atomique, ça devrait bien se passer. Mais je crois que le boss de fin il est quand même plutôt badass. Hein. On galère quand même, il y a 15 manches seulement. Ouais, mais ça doit être des longues manches, je crois. J'espère que c'est. Bon, si c'est le dernier. Enfin, si c'est la dernière campagne, même si l'épisode dure 30 minutes, c'est pas trop grave. Après voilà, c'est pas. J'espère qu'il va pas non plus durer 30 minutes, mais bon. Parce qu'après c'est pour vous, moi je m'en fous qu'il dure 30 minutes ou pas. Hein. Je suis pas pressé, mais voilà, c'est. C'est pour vous, comme je dis. Hein. Donc voilà. Hop les. Les petits squelettes. Alors que je mette masse de trucs ici. Faut que j'en mette un petit truc. Un petit truc qui balance des pétards là. Là bon, je dis qu'il balance des pétards, mais on balance pas de pétards, hein. Vous m'avez compris. On s'entend bien. Je vais l'améliorer, hop.
Comme ça va être tranquille. S'il vous plaît. Parce que ceux-là, ils butent vite les squelettes, donc c'est pratique de les mettre. Tout simplement. Il faut que je mette beaucoup de temps de sorcier aussi. Ça serait pas mal. Ah, je sais pas ce que je vais mettre là. C'est au moins une tour de sorcier. Ouais, je pense une tour de sorcier serait pas mal. Bon, évidemment, les trucs qui font avec les pétards leur font quasiment aucun dégât à eux. Par contre, les tours de sorcier leur font beaucoup de dégâts. Ce qui fait plutôt plaisir. Maraudeur. Maraudeur. Bon, ok. Hop, tour de sorcier. Tour de sorcier. Hop, les. Après, je pense que la prochaine épisode sera sûrement sur le truc avec les vagues infinies. Ou on le fera peut-être pour le tout dernier épisode. Donc, je sais pas. Sur le prochain, je sais pas sur quoi on le fera. On va sûrement sur les petites missions annexes. Je sais pas encore laquelle. On verra. On verra. On n'y est pas encore. Hop. Ouais. Ça se passe bien pour le moment. Espérons que ça va continuer à bien se passer. Auquel cas, si ce serait le contraire, ce serait relou. Oui, je parle bien de la France, mais bon, voilà. Une journée de course très longue, de 8h à 17h, rentrer chez soi à 18h30, bref. C'est long, donc... Excusez-moi si je... J'ai plus les idées en place, mais là, fatigue mentale, là, c'est un truc de taré. Le mec, il est en train de péter un câble en haut. Er il pète un câble. Er le mec, t'es... Ouais, ça, c'est ce qu'il dit, hein. Je fais que d'écrire ce qu'il dit. Bon, je l'écris un peu en mode de Kikou, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est que ça soit décrit. Hop, les... Hop, on augmente les tours de sorcier, parce qu'on va quand même les augmenter, tu vois. Faut aussi qu'on augmente les trucs qui balancent des gros pétards. Il serait sympa de les augmenter, ces trucs qui balancent des pétards. On va le faire juste après, on va augmenter la dernière tour de sorcier. Enfin, la dernière. Vous avez compris, quoi. Putain, il nous a balancé 50 000 squelettes d'un coup, là. Mais non, mon gars, tu ne passeras pas. Voilà. Comme ça, on va se calmer un peu avec tes petits squelettes. C'est relou ces squelettes d'ailleurs. Hein. Hop les. Merde, à chaque fois j'oublie de regarder ce que c'est, putain. Je me le dis mais j'oublie. Il faut peut-être qu'on augmente nos petits soldats d'ailleurs, parce que là, ils font un peu défoncer, je pense. Quand même. Hop. Ah, j'aurais bien au moins livrer ceux qui sont le plus devant. Putain, mais je fais que de la merde. Hein. Ah oui, putain, je me rappelle, c'est l'espèce de cercle du démon là qui apparaissent. Oh, ils sont relous ceux-là. Ce qui fait apparaître l'espèce de bestiole de démon là, des démons machin. Ici, l'espèce de cercle satanique qu'on voit sur le sol là. Super. Ah, c'est génial. Il y en a plein en plus. C'est quoi ? Vu que vous spawnez là, je vais vous donner ça des petits dans la tronche. Ça va vous calmer tout de suite. Ça va vous dire que vous mettez les dents en place, y'a pas de problème. Immergé par le nombre de squelettes. Mais bon, normalement, il faudrait que mon truc avec des pétards il tire là-dedans et ça devrait bien se passer. Voilà. Il fait déjà le clean. Je vais l'améliorer niveau 3 celui-là. Parce qu'il est bien utile. Voilà, ça se passe bien. Ah, mais il pète un câble lui. Air! Yes, now! Ok. On aura bientôt assez pour l'améliorer. Il faut un petit peu de points les squelettes, un tout petit peu. Ah, eux ils font pas mal de points. Donc, bref. Hop les. On va peut-être améliorer ce truc, ses capacités au maximum lui. Dans les upgrades. Mais bon, c'est pas grave. On balance tout. Pourquoi? Parce que comme ça on les dépense. Et hop, on balance direct comme ça. Parce que tout on n'a pas le time, on est pressé. On est precious. Ils font beaucoup de dégâts. Hein. J'ai amélioré l'autre au niveau max. Après, on est tranquille. Déjà, on a buté toutes les sorcières d'un côté, donc c'est plutôt cool. À part celle-là, qui veut pas crever alors qu'elle est sur la lave. Si c'est bon. Hop les. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que celui qui est de droite. J'ai buté celui à gauche parce que je sais que celui de droite là il va les accueillir donc normalement ça va bien se passer. Enfin normalement. Hein. Oh putain. Ça commence à craindre. Hein. Mais en tout cas il est one shot un peu les squelettes donc c'est cool.
Allez. C'est génial ces trucs-là. Franchement, je kiffe tous ces petits mortiers là. Ils font plaisir. Bon, le chercheur devrait pas tarder à clamser normalement. On va balancer ça. Ce qui va nous permettre en même temps d'améliorer ça. Au pire des cas, dans tous les cas, je vais encore ma pluie de feu. Dans tous les cas, ça va bien se passer, mais bon. Dans tous les cas, les sorcières n'auront pas le temps de me la mettre. Oh merde, il y a ça, c'est vrai. Hop, j'ai plus de sorcières. C'est bon, on s'en est sorti, les gars. Heureusement qu'on a notre petit foudroiement, parce que sinon, là, on aurait vraiment été dans la merde. Faut qu'on améliore nos troupes d'ailleurs. On va dire que les améliorer au max, celle-là. Pourquoi je mets des petits barbares? Parce qu'ils peuvent améliorer. On a une capacité qui permet de leur faire lancer des haches, donc ça peut être utile de leur faire lancer des haches, puisque là, bon, voilà. Ça va être la crise sinon. On se m'en fout qu'ils me condamnent le bâtiment là, s'ils peuvent toujours se battre, mes barbares. Bon, j'appelle ça des barbares, mais vous m'avez compris. L'euro il est toujours niveau 1, il a pas servi depuis le début. C'est pas grave, on s'en fout. Non, s'ils peuvent plutôt servir. Ah bah non, je peux pas les déplacer ni rien. C'est pas grave. Toi qui savent encore se battre. Bon. Déjà la manche 9. Ça se passe bien, ça se passe bien. Manche 10. Ça devrait le faire. J'espère que ça va bien le faire, mais y a pas de raison. Y a pas de raison que ça se passe mal, comme on dit. Comme on est dans le milieu. Hop, c'est réussi. J'hésite à balancer ça, non, je vais le garder. Si jamais. Il est en train de péter un câble. Good! Merde, c'est quoi? C'est pour lancer les arches, je sais plus laquelle des deux. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. On ouvre ça. Hop. Hop, on améliore ça. D'ailleurs, il me semble qu'on a encore une tour de sorcier niveau 1 là en bas. Je dis pas de conneries, mais oui! Mais oui! Mais on a même pas assez pour l'améliorer, tu vois. Cool, quoi. Mais putain, mes troupes sont pas mal utiles là, heureusement qu'elles sont là. Le gros mortier est bien pratique. L'autre il pète un câble. Il fait chier lui avec ses espèces de vieux qui sortent du sol. Bon, va falloir améliorer les capacités après avoir tout mis au max. Mais je pense qu'on va tout mettre au max dans cette mission. On va d'abord tout mettre au max, après les capacités. Hop les. Oh, il y a le lava et mental qui sort du sol. Notre copain. Oh, ils sont méchants, ils veulent pas laisser mes troupes tirer. Mes défenses. Non! Mes précieuses défenses. Putain, mais ils font chier. Il fait shit de tout me barrer. C'est pas grave, je vais le niquer moi. Il me battra pas, il me battra pas, je vous le dis. Putain, ça se passe plutôt bien là. Il n'y a aucune troupe qui est passée en face, on est déjà à la manche 13.
C'est génial. Tout est condamné, on est dans la merde. On peut même plus améliorer nos trucs. Bon, je compte pas trop, mais je suis concentré. Il y a plein de trucs à faire en même temps. Là, faut taper et tout pour libérer une espèce de défense bizarre. Alors, ouais, je suis concentré. Ça va bien se passer, t'inquiète. Oula, alors, excusez-moi si on entend dégueuler chez moi. C'est comme d'habitude, hein, les gens. Vous avez l'habitude maintenant avec ma famille. Il n'y a pas de problème. Bon, après, faut que j'améliore ça. Merde, non, je voulais pas lancer ça. Putain, j'ai failli le lancer. Il y a des sorcières et tout qui vont se ramener, ça va être la bordel. C'est bon. Ouh. Allez-y, défoncez-les. Défoncez-les. Bon. Hop les. Tout est automax comme bâtiment, donc normalement ça devrait bien se passer. Comme d'habitude. Enfin bon. Avec des si on mettra pas. Paris en bouteille, hein, comme on dit. On va améliorer les capacités des barbares après. Hop les. Améliorer ça au max déjà. Ah oui, ils peuvent lancer des haches. Celui-là que vous voulez plus. Quand vous voulez le plus fort. Mais... téléportation, petit foudroiement des familles, comme ça il passe pas, ça ferait chier qu'il repasse, mais bon. Écoutez, pour le moment on se fait un peu violenter là d'un coup. D'un coup ça se passe moins bien d'un coup là, c'est... Oui, c'est pas tellement... C'est pas positif là d'un coup. De la violence d'un coup là, surtout qu'on a nos... Oh putain, il y a les putains de sorcières qui sont arrivés, qui arrivent, j'aurais dû les foudrer, salope de sorcière de merde. J'améliore ça au max, j'améliore ça au max, je suis bien, mais sinon je suis foudré. Non, c'est bon, lance 15, je crois que c'est le boss. On va se ramener avec tous ses potes. Ah non, pas tout de suite. D'abord il envoie quelques petits soucis. Ensuite le boss se ramènera sur moi. Hop les. Tiens, faudrait que j'améliore aussi ça. Enfin, je vais améliorer tout ce que je peux de toute façon. J'ai tapé sur tout ce que je peux en même temps, mais. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud de ouf les gars. Faut que j'améliore mon plan de téléportation surtout sur là-dessus. Parce que c'est super utile. Bon, ça c'est bien, mais la téléportation c'est mieux. Ouh, j'ai eu un succès. Hop, hop, hop. Allez, j'ai amélioré celui-là au max. Ça va faire plaisir. Hop, 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 hop. Téléporte 2. C'est bien fort. C'est sympathique. Tu vois, ça les téléporte en arrière. Qui fait perdre toujours plus de temps aux ennemis. C'est plutôt cool. Hop, on va améliorer ça au max. Bon, ramenez-moi des plus lourds là, on se fait chier. Je crois que j'étais en normal, mais bon. C'est vrai qu'on se fait chier là.
Je l'ai au max, d'accord. Avec deux niveaux là-dessus. Bon, c'est un peu chier là, ramenez-nous du boss. L'autre, il est toujours dans son donjon là. Il active son pouvoir de merde. Il est content, hein. Il est content. Ah bah ouais, c'est une musique épique de bataille, écoutez. Il s'est barré de son donjon. Il va se transformer en monstre, fils de pute. Il est là. Voilà, nique ta mère. Ah bon. Bonjour. D'accord. Au revoir. Il les a défoncés. C'est ce qu'on appelle dans le milieu se faire outgun. Voilà. C'était sympathique. On n'a même pas de golem, tiens d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire contre un golem si j'améliore le golem? J'ai envie de mettre un golem pour voir ce qu'il va faire contre. C'est pour ça qu'on va te merde. Allez, vas-y, essaye de te battre contre le golem, mais espèce de fist up. Oh, il a limite one shot le golem. T'inquiète, tu vas clamser dans quelques secondes. Bah, il va crever. Hein. Bah, là, il est mort, hein. Laisse tomber. Hein. Oui, tu peux mettre tout ce que tu veux comme pouvoir, mon gars, t'es mort. Ouais, il s'est transformé! C'est vrai, je m'en rappelais plus de ça. Oh, le FDP. Là, ça va être chaud de ouf. Ça va être chaud de night. Là, il est vénère, là. Il va balancer tout trop piqué, là, ce bâtard. Putain, faut améliorer les trucs vite, vite, vite. C'est quoi ça? Death machin. Ok, vas-y, on s'en fout. Les intégrales pour les ennemis. Ok, on s'en fout. Vas-y, on va l'améliorer, là. Vite, vite, vite. Oh, bah, en fait, non, il est temps de m'affoler. Il va se faire défoncer, regardez-moi ça, comme à quelle vitesse il va défoncer. Et bim, au revoir, fils d'up. Et il est mort. Hop, au revoir, tout son fluide qui s'évapore de son corps. Bam. Voilà les épileptiques, au revoir. Victory. We did it. We did it. Your Majesty is mort, party time. Ok, ok, bon, je suis. Le roi est content de moi. Yeah, yeah, ouais, tout le monde est content. Et voilà. Donc là, on a la petite générique des Feng. Mais on ne s'en bat les couilles, puisque voilà, bon, c'est bien, c'est sympa, générique, machin. On skip. Parce que, bon, voilà, le générique de fin. Ils sont mignons, tout plein, mais voilà, le générique de fin, on s'en fout. Bah, hein, bon. On a encore plein de trucs à faire, là. C'est pas. C'est pas fini, vous inquiétez pas, regardez toutes les missions. Le bâtard, il a mis son fluide de partout, et il y a plein d'autres missions à faire maintenant. Donc voilà, je vais vous dire ce que je dis à chaque fin d'épisode. La prochaine fois, on ira dans le shop sûrement acheter peut-être d'autres trucs. Et on ira également faire une autre campagne annexe, on fera quelques petites campagnes. On les fera peut-être tous, on testera peut-être toutes les premières qu'il y a. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah voilà, 7, 7. Bah voilà, 8 avec ça. Ce qui veut dire qu'on aura encore 8 vidéos sur ce jeu normalement. Donc normalement bah, je ferai 8, encore 8 vidéos dessus. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et puis bah voilà, on se retrouve au prochain épisode. J'améliorerai les upgrades, j'irai dans le shop. N'hésitez pas à me conseiller des trucs à acheter dans le shop, parce que moi je sais pas trop, hein, bon voilà, enfin bref. Ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Allez, bye les gens.